Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Métan Général sous télévision nationale d'Haïti. Nous avons démarré le journal avec information qui concerne le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui chita parlé mercredi 11 juillet à présidence de la République, le sénateur Joseph Lambert. Un contact qui déroulait dans le local primatia permet des autorités de discuter sous conjoncture actuelle et puis sous plusieurs autres dossiers qui concernent le pays. L'extrême micro, Colo Elisère et Mouzoulitch. Pendant un contenu matin avec le sénateur Lambert, nous avons profité pour faire le tour en ce qui concerne le dénominateur commun à nous gagner, qui est le Haïti. Mais bien sûr, nous avons profité tout pour nous parler de la conjoncture politique. Là. Président de la République, là, Joseph Lambert, bon côté parle, fait qu'on est en compte ça, permettre lui évaluer la situation et puis réfléchir sur les moyens qu'il pourrait utiliser pour tabler la paix dans le pays. Sénateur Lambert, remercie le Premier ministre Lan pour la disponibilité et puis annoncer qu'il pourrait rencontrer l'Assemblée sénatoriale pour tendre les propositions. J'invite à suivre un extrait toujours dans le micro Colo Elisère à Coulson Idoré. Nous comptons pour nous voir que l'échange que nous faisons, c'est des échanges fructueux qui allaient dans le sens de l'intérêt national et qui va permettre que dans le rapport exécutif, législatif, eh bien c'est toujours des rapports cordiaux, des rapports animés de sens de responsabilité et de civisme à notre pays. Je dis, en tant que président Sénat, nous constater et garder tout ce qui passe dans les derniers temps, tant qu'au même tout, pour permettre que nous fassions une évaluation et gagner un regard objectif de tout ça qui passe. Je dis, il faut que nous continuions à avancer, avancer dans la sérénité, avancer dans le calme et prendre toutes mesures appropriées pour nous remettre Haïti campé et continuer à avancer sereinement. Encore une fois, je dis merci pour invitation, mais pas invitation, demande de rencontre et d'échange que j'ai sollicité avec une jeune, et me contentons pour moi toute sincérité et toute bonne foi qui anime nous depuis l'arrivée dans tête du gouvernement ça jusqu'à journée de dire. Je dis, dans les minutes qui suivent, nous avons rencontré les honorables sénateurs de la République pour nous continuer à échanger et pour nous continuer dans le calme et la sérénité de ce pays à avancer. Voilà, c'était l'explication du président de la République, Joseph Lambert, sur la rencontre qui a été gagnée à Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. L'autre information dans le journal ça, avocat magasin de Mac 2000 ans, M. Mario Delcy, m'a dit administration Moïse à gouvernement Lafontaine pour prendre toute disposition pour dédommager responsable magasin après le pillage entreprise lancée le week-end passé. M. Mario Delcy, qui t'a visité espace là, expliqué entrepreneur ça a perdu tout ça a possédé. Avocat dit, lui apprécier des marchés chef l'État tant même pour accompagner entrepreneurs victimes. Il mandé président fait tout ça qui est nécessaire pour mettre strict en place une façon pour éviter des gars ça pas répéter non payer encore n'a qui t'en suivre. C'est une destruction totale que nous fait. Ils ont emporté tout ça qui gagnait là. Ça a quitté, c'est fatra, c'est déchets. Ils ont pratiquement quitté pour propriétaire. Alors que les citoyens, ils ont payé taxes dans le pays d'Haïti. Ils ont employé les gens. Ils ont payé les gens travail. Ils ont payé emploi direct comme indirect. Qui gagnait des agents de sécurité qui essayaient de résister, mon comprendre. Lorsque ils gagnaient une foule de monde qui rentrait et qui venait et avec intention pour que ils volaient, ils pillaient magasin, vous comprenez que l'agent de sécurité.
sécurité, ou pas jamais capable à eux même seul répondre à sécurité et bâtiment ça. Au contraire, moi félicite le gouvernement parce que moi entendez que yo apprendre moins hier que gagne une commission que gouvernement limité sous pied pour commerçants qui victimes yo. Et moi-même dans commission ça, moi m'a arrangé moi pour que moi représenter client mieux qui choqué pour que moi faire part à l'état, à gouvernement de ça que yo t'a remis vraiment. Moi connais que l'état pas capable réparer yo à 100%. Mais quand même gagne de d'autres moyens que nous pas proposer l'état, nous pas proposer président, nous croit que qui gagne volonté parce que le fait que lui ouvre porte lui au dialogue, lui ouvre pour que commerçants qui victimes yo capable vinn parler avec lui à travers une commission, eh bien nous pensons que son initiative qui très louable et nous-mêmes n'a pas représenté Delma 2000 qui c'est une gros victime yo après en pile marchandise et qui perdu là totalement pour que nous ouais ensemble avec l'état comment yo capable joindre une réparation, une compensation pour perte énorme que vous fait ça. Paquet Port-au-Prince a été 64 personnes qui accusé pour acte pillage, crasé, brisé et mettre du feu pendant un moment de tension week-end passé. D'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Klame Damayus, il y a aucun individu sa yo pendant il a posé acte déchoucage avec ça au sopran normal. L'invite à suivre un extrait dans le micro TNH. Paquet a été arrêté 64 personnes dans le cadre du travail de poursuite li que l'a fait. Dans 64 personnes qui ont été arrêtées, ont arrêté pour acte de pillage, pour dévastation, pour destruction, pour incendie. Et dans 64 personnes qui ont été arrêtées actuellement à faire poursuite contre eux, il y a 4 là-dedans qui ont été joints avec des produits pillés qui vivent dans une maison à Pétionville. C'est dans rue Watson, numéro 54. Et actuellement, maison ça a li placé sous scellé en attendant que nous gagnions pour mettre lui vin expliquer devant le commissaire gouvernement qui sa moun sa tap fait en Dakaïlia. Donc, ça c'est information que nous gagnions, nous partager avec vous. Et automatiquement, des moun qui choisit pour faire pillage, pour détruire, pour incendier bien moun, les ça ou vin fait face avec sa merine, yon infraction pénale. Et infraction pénale ça yo, c'est les articles 64, 68, 72 du code pénal. Et en prison que moun sa yo gagne pour vivre, c'est entre 10 à 15 ans. Tout moun qui arrêté pour pillage, pour incendie, pour dévastation, et les sa ou gagne pour passer 15 ans en prison. Donc c'est risque ça que tout le monde qui a arrêté dans le cadre de pillage qui vient dans Port-au-Prince là, qui est au courant. Quel que soit le monde, que c'est ou même qui t'a dans le pillage, qui met produit la caille, que c'est le monde qui t'a dans le pillage, qui vient déposer produit à la caille, que c'est le monde qui t'a fait pillage, qui vend nos produits, n'a découvert, moi j'ai toutes les informations, quel que soit. Et pendant ma parler là, moi j'ai des maisons. Port-au-Prince qui des produits pillés la caillou et tout dit yo yo mettent même après n'attendre. Il y a le commissaire gouvernement Port-au-Prince là met Oknam Klame Damayus annoncé arrestation d'individus qui impliqués dans association malfaiteur abus confiance et escroquerie sous ministère affaires sociales et travail. D'après met Oknam Klame Damayus, individu ça yo t'a fait pression sous ministère affaires sociales et travail là pour bailo l'argent non non député pour capable éviter yo interpeller li non parlement haïtien. Plus explication dans micro TNH. Nous gagnons Pierre Wessner Junior, nous gagnons Benoît Audrel, deux messieurs Sayo, ils ont présenté dans le ministère des Affaires sociales et ils ont dit que c'est des députés qui voient. Alors, permettez que je ne cite pas nos députés honorables en termes de protection en attendant que c'est des autorités de l'État qui voient à chercher l'argent dans le ministre là. Pour gérer Bakonnen. L'argent est besoin de recevoir pour ne pas bailler, pour ne pas convoquer le ministre là devant le parlementaire. Donc, effectivement, Bakonnen s'enrêle par la peur. Monsieur Genyen, monsieur Sao, il y a un chèque dans le monde. Il y a un chèque de 150 000 gouttes dans le monde qui me joignent. Et téléphone là dans le monde. Il y a demandé au ministre là
faut que ministre là baïe cola pour porter baïe un député qui voye ou vienne chercher cobla si yo pas gagné ni y a convoqué ministre devant parlementaire. Voilà que moi même là ça on te gagne chance pour me visiter ministre ça actuellement monsieur ça yo nommé la justice pour ça capable briller association de malfaiteurs et abus de confiance et escroquerie puisque présenté yo sous nom de parlementaire pour marcher prend corps nommé de ministre. Donc moi te rassurer que pour me communiquer nos informations ça yo voilà que monsieur ça yo va le poursuivre mes téléphone yo que me gagne dans mes moins côté que me pral vérifier avec qui est-ce que t'as communiqué et si jamais moi joine dans information moi que monsieur t'a communiqué avec des députés effectivement que nous cité laisse ça parlement a gagné pour prendre responsabilité pour le permettre parlement a gagné pour venir répondre question devant la justice. Voilà, on t'a suivi en précision commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Oknam clamé Damius. Notre dossier dans le journal ça, parti politique patriote rassemblé Parasol condamné mercredi 11 juillet à la violence qui était enregistrée dans la zone métropolitaine dans le week-end passé. Responsable Parasol là, Yvon Bonhomme renouvelé solidarité l'administration Moïse à gouvernement La Fontan pour encourager tout secteur dans vie nationale là, Chita Palé, Jean-Chef l'État, passé Span Mandela. Yvon Bonhomme était croix division, crasé brisé par l'intérêt pays. Entente, unité et dialogue, c'est ça qui a continué qu'un pays sous route développement. Administration Moïse l'a commencé. Président Parasol, là, Yvon Bonhomme a porté plus d'explications dans le micro Nidra Emilias. Parti politique Parasol dit libre note. Libre note, côté que depuis après 1986, le groupe monde qui est seul projet, on ne voit pas Patrid, qui n'a pas de madame dans le pays, qui n'a pas de petite dans le pays, qui n'a pas de caille dans le pays, qui n'a pas de rien dans le pays. Le groupe Patrid, ça, qui a même dénoncé FMI pendant que même, il a dirigé ONG, il a même qui a cassé rien l'État, il a un seul projet. Détruit pays d'Haïti. Nous-mêmes, comme parti politique, nous prenons note et nous souhaitons que la population haïtienne dans tout libre note. Parti politique Parasol dit la population haïtienne, vendredi après-midi, était fâchée à cause du gouvernement a ajusté le prix gaz là. Et nous-mêmes, comme parti politique, nous, je ne vois nous tous avec la population haïtienne, contre la façon que vous avez ajusté le prix gaz. Là. Et la revendication du peuple, l'irréel, nous supporter. Du même coup, le parti politique Parasol prend note tout. Côté premier ministre, là, avec le président de la République, là, te retourné sous décision ça. C'est pas première fois ni seul côté que des dirigeants qui ont même parfois pris décision parce qu'à bon pour peuple et peuple même pas d'accord et le ça dirigeant l'état yo y retourné sous décision. Parti politique Parasol condamné à toute force, sans réserve, tout malfrat, soi-disant qui dit, il a fait politique, mais plus gros façon que vous faites là, c'est calendrier déchoucage, calendrier crasé brisé. Nous-mêmes, messieurs, dames, ça, qui content frapper l'estomac, non. Pour nous bouler tout ça, pays a gagné. Qui ça n'a dit qu'on y a avec pile maman, papa, petit qui tombe dans le chômage parce que côté t'as travaillé, yo boulé, yo pillé. Qui ça n'a pas comme plan? Parce que c'est des dizaines de millions de dollars américains de déficit qu'a fait. Qui ça n'a dit à moun ça? Nous même comme parti politique responsable. Et c'est une raison que je dis, nous formuler demande ça avec la presse. Parti politique Parasol a demandé la presse pour le tabac un fichier technique sur tout le monde qui a fait événement, surtout événement politique dans le pays.
Plateforme nationale secteur populaire haïtien Plan SPA déclaré n'est pas d'accord avec décision qui t'en prend pour faire Premier ministre Jacques Guy Lafontaine quitter tête gouvernement. Dieudonné Lérisson, président plateforme là, encourager autorité concernée au prendre décision plutôt pour changer quelques ministres et directeur général qui t'en handicapé pour voir en place là et en façon pour empêcher pays à connaître plus mauvais moment. Extrait le micro Colo Elizer. La forme nationale secteur populaire haïtien opposé à un changement gouvernement Jodia. Mais n'a dit président Jovenel Moïse, après ça qui finit passé dans le pays, faut qu'il y ait une pile physique qui saute. Nous connaissons un pile problème en notre gouvernement. Tout ministre avec directeur général qui n'a pas fait travail peuple là, faut que tout aller. Plateforme nationale, secteur populaire haïtien. Profitez même occasion ça pour condamner comportement. Il y a une équipe mauvais politicien qui a fait vieille manœuvre pour créer instabilité sociale et politique à chaos dans le pays. La forme nationale secteur populaire haïtien a fait considération ça pour opinion publique là. Un, dans un mois et demi, c'est pour la rentrée de classe. Côté que en pile maman petite et papa petite, pourquoi qu'il y a une possibilité pour prendre un canet Timounio qui est dans la direction de l'école. Yo. Deux, pendant 17 mois qui sont passés là, pas aucun programme social que le gouvernement mettait en place qui atterrit dans le quartier populaire yo, pour te permettre. Même secteur populaire, terre à l'on souffle. N'a demandé au président Jovenel Moïse pour décréter en urgence sur tout le pays un programme apaisement social qui pour toucher toutes 146 communes, toutes 570 sections communales qui pour atterrir dans le quartier populaire, dans le ghetto, qui pour ramener confiance dans la population. C'est une déclaration président Plan SPA, Dieudonné Lérisson. Premier secrétaire Sénat République, là, sénateur Sidesla, Dieu Piché Rubin, déclaré solution d'après lui qui a aidé la population à prendre confiance dans le pouvoir exécutif, là, c'est changement gouvernement. Sénateur Chérubin dit, il y a l'autre bord, il désolidarise le groupe majoritaire dans le Sénat qui ne pas permettre de joindre quorum pour faire séance pour institution à prononcer sous situation pays. M'invite au suivi en bout de la déclaration de la microfédéra confident avec Moïse Webridge. Moi personnellement, vraiment regrette l'événement qui arrivait dans le week-end passé. Yo, et nous souhaitons nous battre à deux et jamais revivre encore. Moi, quoi, premièrement, voyez le président Jovenel aller, pas mettre nous dans la stabilité que nous avons besoin. Il a jeté nous dans la situation que nous ne pouvons pas même imaginer. Moi-même, moi pour l'institution, je veux protéger. Moi pour la protection de la présidence. Moi pour que le mandataire de la nation qui est élu pour 5 ans, fait 5 ans, non, comme ça, nous avons un signal positif by international là, pour qu'on ait au moins nous prenons voix démocratie là, nous lancer nous sous lit, là un président élu pour 5 ans, l'a fait 5 ans. Et c'est ça que fait, président gagne gouvernement, il gagne premier ministre et il gagne ministre. C'est pour que l'y mette au devant. Pour les grands problèmes, c'est eux-mêmes qui sautent comme fusible. Non, laisse à tout. Il faut choisir premier ministre avec ministre qui a une pile force de caractère pour battre son série de décisions pour que bonne décision qu'a sauté dans la question pays. Pour que nous arrivions à jouer calme et rétablir l'ordre dans la cité. Et permettre que Mounio reprend confiance. Et avancer encore, n'attend démission gouvernement ou bien interpellation qui veut le gouvernement aller. Et puis, après ça, bah, y a un gouvernement de force, de caractère.
qui pourra mener le pays dans la bonne voie et à mener avec un pile compétence et un pile sévérité pour que nous arrivions à avancer. Eh bien, c'est sur information ça, on apprend, on pose dans le journal là, pas déplacé, n'abtonne. Eh bien, voilà, c'est la journal la bout pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à être branchés pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.